rapproche. Mais rapproche-toi, je te jure. On fera pas au visage, on fera pas au visage. Ce week-end, donc de vendredi à samedi, je suis partie à Amsterdam avec Gloria. Et en fait, c'était prévu qu'on parte de vendredi à dimanche. Donc... Ready? Yeah, you can't quite. Go chill out, okay? Yeah. What's up? This is Awesomeness TV UK with my friends from Germany and France. Hey! Okay, we're going to go explore VizCon Amsterdam. Let's go. Mais le souci, c'est que pendant ce temps-là, y avait la Video City, donc c'est exactement la même chose, sauf que ça se passe en France. Et beaucoup de personnes m'attendaient là-bas, beaucoup de personnes s'attendaient à me rencontrer. Sauf que j'ai annoncé il y a quelques mois sur mes réseaux sociaux que je ne m'y rendais pas, parce qu'il y avait beaucoup de facteurs qui entraient en jeu. Donc, le truc, c'est que finalement, on a dû rentrer samedi soir, parce que Gloria devait aller à la Video City le dimanche, parce qu'elle avait annoncé et qu'elle voulait voir ses abonnés et tout ça. Et sur le trajet, il y a Gloria qui me dit qu'en gros, elle veut vraiment que je vienne avec elle, parce que comme ça, je peux la motiver, comme ça, en tant qu'amie. Juste, voilà, une action qu'un ami fait, accompagner quelqu'un. Du coup, bah, j'y ai réfléchi et je me suis dit que bah oui, je pouvais y aller, mais en tant qu'accompagnateur, pas en tant que youtubeur. Je suis partie à la Video City pour accompagner Gloria en tant que proche. C'est le salon parce qu'il y a personne encore, c'est pas encore le machin. Donc là, je suis à la Video City et je me cache derrière un stand, genre je veux me montrer à personne et tout. Et je vois déjà, je commence à me faire un peu insulter sur Twitter, Instagram et tout. Du coup, je pense que ce soir, quand je vais rentrer, j'ai un petit peu tout expliqué parce que enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont pas été bien comprises et bref. Du coup, ouais. Mais bref, tant pis. Pas grave, je voulais juste accompagner Gloria, mais bon, fallait s'y attendre. Je m'attendais à ce qu'il y ait des personnes qui soient déçues, mais directement en arrivant à la Video City, même pas si c'était ouvert, quelqu'un l'a su sur Twitter, et du coup, bah, beaucoup de gens ont commencé à être au courant. J'ai déjà des personnes qui ont commencé à dire bah, pourquoi tu es là, enfin t'avais dit que tu étais pas là, tout ça, mais ça m'a pas vraiment, enfin j'ai pas vraiment fait gaffe. Mais le souci, c'est que plus la journée avançait, plus je me rendais compte que sur Twitter et sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, dans tous mes commentaires, tous mes tweets, je m'en prenais plein la gueule de partout. Je recevais des trucs du style tu me déçois, je me désabonne, je t'unstan ou des trucs comme ça. Et ça m'a rendu mal en fait toute la journée. Toute la journée, j'étais censée être là pour accompagner Gloria et toute la journée en fait j'ai fait la gueule. C'est ma faute en fait parce que c'est moi qui n'ai pas expliqué et ouais j'ai pas donné l'explication à l'avance, du coup bah c'était pas pour y aller en tant que youtubeur, c'était pour y aller en tant qu'accompagnateur, en tant qu'ami. Le pire c'est que j'ai fait zéro meet and greet, enfin des dédicaces, tout ça, j'ai fait zéro passage sur scène, j'ai rien fait en rapport avec la Video City, rien. J'y suis allée vraiment, j'ai rien fait. S'il vous plaît. Alors ensuite, quelle est ton actualité? Enfin, et surtout, dans comment vis-tu cette édition de Video City? Et je me vois pas dire que je viens à la Video City, sachant qu'il y en a certains d'entre vous qui auraient payé leur place, sachant que vous auriez même pas eu peut-être la chance de me voir. Si on me voit, c'est par chance. Genre, je me balade dans le salon, mais c'est tout. Avec la sécurité, tout ça, c'est très compliqué d'avoir une photo. Ça me saoule en fait que vous payiez si vous avez même pas la chance de me voir. J'espère que vous auriez compris. J'espère que bah, vous m'excusez, que enfin vous comprenez la situation, même si je sais que c'est un peu de ma faute parce que j'ai foiré, j'ai mal expliqué. De toute manière, il y a quelque chose de vraiment cool qui va bientôt arriver sur Paris et dans toute la France aussi, je l'espère. Je prépare mon propre tour. Regardez les prochains épisodes pour en savoir plus. J'espère que vous avez hâte autant que j'ai hâte. J'ai hâte de tous vous rencontrer partout dans la France. Je vous aime énormément. N'oubliez pas que je ferai jamais quelque chose qui pourrait vous faire du mal ou quoi que ce soit volontairement. Merci pour avoir regardé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne Awesomeness TV France. Et... bye. Vas-y, avance. Yeah, bien joué. Il faut que je fasse des snaps, putain, sacrifié mon téléphone.